Bonjour Hong Kong, merci à vous tous de m'avoir posé toutes ces questions, je vais y répondre. Ça me fait très plaisir de vous répondre d'ailleurs, mais avant j'ai une question à mon tour. Voilà, j'aimerais savoir qu'est-ce qui est écrit ici. Voilà, parce qu'ils sont très jolis ces dessins, mais j'arrive pas à les déchiffrer. Donc merci de me répondre à votre tour. Enfin, j'ai une petite idée. Quand vous étiez jeune, pourquoi avoir étudié l'art dramatique? Bonjour Sharon, pourquoi avoir étudié l'art dramatique? Eh bien, tout petit, je voulais être clown et puis faire du cirque. Et en grandissant, j'ai décidé de devenir comédien. Et je me suis rendu compte que c'était un vrai métier. Alors, qui dit vrai métier dit études. Donc, j'ai fait 3 ans d'art dramatique à Paris pour apprendre le métier de comédien. Et ce sont 3 années qui ont été primordiales. Et j'ai pu apprendre l'essentiel pendant ces 3 années. Vous avez fait beaucoup de films. Quel est ton préféré? Merci Oscar pour ta question. Voici mes réponses. Eh bien, en tant que réalisateur, mon film préféré, je les aime tous, comme si c'était mes petits. Mais on va dire que celui qui m'a peut-être apporté la plus grande émotion, c'est le premier. Essaye-moi, il s'appelle Essaye-moi. Pourquoi? Parce que j'y ai mis beaucoup de ma personne et ça m'a pris 6 à 7 ans pour le faire. Donc on va dire que c'est celui-là. Et en tant qu'acteur, c'est peut-être la série Disparue à la télé. C'est une série très noire dans laquelle je joue un père de famille qui perd sa fille. Et je choisis celui-là parce que ça m'a permis de dépasser mes limites. Voilà. Pourquoi aimez-vous faire des films? Cher Marcus, pourquoi j'aime faire des films? Eh bien parce que, avant tout, j'aime raconter des histoires, j'aime le travail collectif, c'est-à-dire réfléchir à des décors avec mon décorateur, à des costumes avec ma costumière, à ma mise en scène avec mon directeur de la photographie, et puis diriger les comédiens. Enfin, tout ça, voilà. Voilà pourquoi j'aime faire des films, parce que c'est passionnant. À votre avis, quelle est la différence entre la comédie française et américaine? Salut Edouard. Alors la différence entre la comédie française et la comédie américaine, eh bien c'est un vaste débat. Je ne suis pas sûr de pouvoir bien te répondre. Quoi qu'il en soit, on peut dire que les comédies américaines ayant quand même des budgets nettement supérieurs aux comédies françaises sont la plupart du temps mieux éclairées, mieux filmées, avec voilà, des gags peut-être plus grandioses, peut-être plus des situations plus impressionnantes grâce à leur budget. Voulez-vous mettre un acteur chinois dans votre film? Oui, Edouard, bien sûr, je ferai travailler des Chinois. D'ailleurs, on a de plus en plus de Chinois à Paris. Et j'ai moi-même employé une fois un acteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Bing Yin, je ne sais pas si je le dis bien. Il a joué dans mon deuxième film qui s'appelle King Guillaume. Et malheureusement, j'ai coupé la scène. Alors, pas parce qu'il jouait pas bien, mais parce que la scène n'était pas, finalement, ne racontait pas bien l'histoire au montage. Donc, je l'ai coupé. Désolé pour Bing Yin, je m'en suis excusé. Dans votre film, quel personnage est le meilleur pour vous? Alors Edouard, quel personnage est le meilleur dans l'épreuve 2? Eh bien malheureusement, ce n'est pas à moi de te le dire, c'est au spectateur. Tout ce que je sais, c'est que mon personnage Polochon est un peu mieux écrit dans l'épreuve 2 que dans l'épreuve 1. C'est pour la raison pour laquelle on m'a préféré dans le numéro 2 que dans le 1. Dans le profiteur, tu adorais Napoléon, tu réhabilites aussi. Coucou Andrea. Alors,
J'adorerais répondre à ta question. Malheureusement, on n'a pas bien compris sur le son et je ne sais pas ce que tu me demandes. Tout ce que je sais, c'est que tu me parles de Napoléon, de mon personnage dans Les Profs. Et j'en profite pour te dire que ma grande difficulté quand je réalise, c'est de jouer dans mon propre film. Parce que je dois être derrière la caméra pour regarder les acteurs et devant la caméra pour jouer. Et quand les acteurs jouent pour moi, je sais quoi leur dire et ça leur fait plaisir de jouer pour moi, donc je suis leur spectateur. Alors que moi, quand je joue devant la caméra, je joue pour personne. J'ai du mal à savoir si je suis bien, si je ne suis pas bien. Et c'est donc ma grande difficulté de jouer dans mes films. Bonjour, Pef. Tu as plein de métiers. À la télévision, tu es acteur. Au cinéma, tu es acteur, réalisateur et scénariste. Au théâtre, tu es comédien, metteur en scène et auteur. Quel est ton métier préféré ? Mettre en scène, réaliser, jouer la comédie, écrire, sont des métiers qui me passionnent, qui m'apportent énormément de plaisir. Tout ce que je peux te dire, c'est que depuis tout petit, je veux jouer. Et on va dire que ce qui est peut-être le plus intense, c'est de monter sur scène. Pas devant une caméra, mais devant des spectateurs. Voilà, en live, comme on dit. Être sur une scène, il n'y a rien de mieux au monde. Je voulais vous remercier de vous être intéressé à moi et surtout vous féliciter parce que vous parlez très très bien la langue française et ce n'est pas de la flatterie. J'imagine que c'est très difficile pour un Chinois d'apprendre notre langue qui est vraiment très compliquée, je trouve. Moi-même, j'ai du mal à la parler. Donc, un grand bravo. Et puis aussi, si un jour vous venez en Chine, enfin non, je veux dire en France, parce qu'en Chine, vous y êtes, eh bien, j'espère que vous viendrez me voir jouer et que vous me ferez un petit coucou. J'ai mis beaucoup de temps à vous répondre et je vous demande pardon, mais c'est parce que je travaille énormément sur mon prochain film qui s'appelle Gaston Lagaffe et qui est adapté de la bande dessinée Gaston Lagaffe d'un type génial qui s'appelle Franquin, un auteur belge, voilà. Et c'est une bande dessinée qui a beaucoup de succès en France. C'est Gaston qui fait que des bêtises et qui dort tout le temps. Voilà. Eh bien, j'ai envie de vous dire bonne année, Happy New Year!